Pour notre méditation du jour, nous toujours à motiver concernant vos devoirs dans le troupeau et envers chaque brebis du Seigneur. Et c'est comme ça, notre type de communion fraternelle que vous devez gagner avec l'autre brebis, gagner deux bagages. Il y a des comportements à encourager, des attitudes à encourager, et de l'autre côté, il y a des comportements à abandonner. Dans toute bonne relation, toujours bien ça. Bagay ou doit cultiver et bagay ou doit mettre de côté. Malheureusement, en pile fois, tout bagay nous gagne comme comportement, attitude, éducation et autres, nous rentrer avec yo, non seulement dans l'église, mais également dans la communion fraternelle. Il y a des choses qui dérangent et qui gâte la relation d'une brebis avec une autre brebis. Scandale qui a toujours arrivé. Mais Jean-Seigneur Jésus t'a exhorté nous, fais attention pour que scandale là, c'est pas nous-mêmes qui cause l'arrivée. Concernant les comportements à encourager dans la communion fraternelle, nous te dit cherche une occasion. Et l'occasion on va chercher à faire tout ça la Bible mandé qui bon pour faire dans la communion fraternelle. De même, la Bible indique yon ensemble de comportements nous pas doit gagner dans la communion fraternelle. Au moins, bon citer 5 pour même. Premièrement, Galates 5 verset 14 et 15, ne vous dévorez pas les uns les autres. Imaginons l'on troupeau brebis a mangé brebis. Brebis a dévoré brebis. Brebis a metté dents sous l'autre brebis. Gen plusieurs jugements négatifs ou te kapote son tel troupeau. C'est même gens tout en dans l'église là, dans le troupeau de Dieu, troupeau bon Dieu a, pas doit gen brebis kap dévoré l'autre brebis là dans lui. Si m'voye jem dans troupeau mercenaire, moi wè bouk a dévoré l'autre bouk, ça pas trop dérangé m, ça pas trop étonné m. Mais l'aime garder en d'un caille bon Dieu ya, le troupeau divin berger ya, les brebis a dévoré l'autre brebis, ça étonne, ça dérange, et je sais que le grand berger il n'est pas content dans ce cas-là. Pas oublier, la brebis doit faire la joie de son divin berger par son comportement envers les autres brebis. Lorsque vous vous dévorez les uns les autres, ça veut dire que le troupeau de Dieu est en difficulté, de grandes difficultés. Et c'est comportement ça qui a attristé le Saint-Esprit de Dieu. Deuxième comportement à ne pas manifester dans le troupeau de Dieu. Jacques 4, verset 11. Ne parlez pas mal les uns des autres. Jour nous arrivé à abandonner réalité ça dans tout pour mon Dieu ya côté youn a parler l'autre mal n'a bien ambiance spéciale agréable vivable extraordinaire et spirituellement béni à l'intérieur du troupeau de Dieu. Le parler mal en dans l'église il presque tourner un ministère et ça qui pire là moun ou pas penser à parler l'autre monde mal. Et deuxièmement, moun ou pas penser, yo t'a parlé mal, et mais gen pile moun ki sou doli k'a parlé mal. Et ça qui pi grave là, nan présence moun sa, yo montré yo remen li, mais kou moun sa vire koul pa la, yo parlé mal en pile. La Bible mandé conseiller, li commandé dans le troupeau de Dieu, ne parlez pas mal les uns des autres. Troisième comportement à abandonner. Ne mentez pas les uns aux autres. Colossiens 3, verset 9. Si span by youn lot menti, que chacun parle selon la vérité. Le mensonge fait beaucoup de dégâts dans le troupeau de Dieu. Et ça fait Jésus-Christ t'a dit. L'on a rentré dans le fond du diable. Ça va joindre, c'est le mensonge. Et depuis quand le diable, il pêche dans ce domaine,
c'est depuis le commencement. Il n'y a pas l'autre bagaille pour t'a dit. Et Jésus-Christ t'a dit à ses juifs, dans le cas où vous vous mentez les uns les autres, vous avez pour père, ou bien vous vous identifiez à votre père, Satan, le diable. D'où les enfants de lumière pas doués à bayou l'autre menti. Mensonge, craser confiance, craser témoignage, craser la solidarité. Quatrième comportement à ne pas avoir dans le troupeau de Dieu. Ne vous enviez pas les uns les autres. Galates chapitre 5 verset 26. L'envie est provoquée par la jalousie. Le Seigneur nous a donné des dons et des capacités différents. C'est pour nous connaître dans le troupeau de Dieu, chaque monde est utile, les rete et accepté à sa bon Dieu baïoa. Lorsque vous recevez quelque chose de la part de Dieu, c'est la gratitude, la reconnaissance envers Dieu. En pile fois, c'est parce que nous pas satisfaits ni d'accord avec sa bon Dieu. Ben nous envier l'autre moun yo pour ça yo chercher gagner ou bien pour sa bon Dieu ba yo. Zami mwen, ou gagner un appel spécial de la part de Dieu. N'enviez pas les autres. Ou bien pour ça yo yé ou bien pour ça yo posséder. Pour qui ça? Parce que le Seigneur, li commence à faire de ou même ça ou ta doué yé ya, et commence à ba ou ça ou doué gagner. Nous sommes certains, attachement avec mon Dieu et bonne attitude dans la communion fraternelle, bonne œuvre ça que bon Dieu commence dans roi pour le faire de ou même ça livré ou yé et pour le ba ou tout ça livré ou gagner l'a achevé li, l'a fait li, l'a terminé li. Il est le Dieu qui commence et qui termine. Il est l'alpha et l'oméga, commencement avec la fin. D'où pas gain raison pour n'a envier une l'autre et mettez des unions dans le troupeau de Dieu. Zami mwen, pas oublier non, dans le troupeau de Dieu, il y a certains comportements ou doit cultiver pour avoir une bonne communion fraternelle et il y a d'autres comportements ou doit définitivement abandonner. Parmi les comportements à abandonner, c'est premièrement ne vous jugez pas les uns les autres selon Romains 14 verset 13. J'en nous faut pour juger l'autre moun yo, nous toujours besoin ériger nous en juge, seul juge. Et parfois dans situation nous juge et parti. D'où justice n'a émettre là, li pas parfait. D'où nous c'est mauvais juge. Et d'ailleurs, qui est-ce qui établit nous juge sous l'autre moun yo? Le Seigneur, il est le maître de son troupeau. Il est le maître de chacune de ses brebis. Ou pas besoin prendre temps à juger les brebis du Seigneur. Le jugement appartient à Dieu. Et en pile fois, nous précipiter dans le jugement, yo. Le discernement, oui, mais le jugement qui accompagne la critique et la condamnation, c'est non dans le troupeau de Dieu. Maintenant, arrangez-nous. Ne vous dévorez pas les uns les autres. Ne parlez pas mal les uns les autres. Ne mentez pas les uns les autres. Ne vous dévorez pas les uns les autres. Et surtout, ne vous enviez pas les uns les autres. Bonne méditation. Que le Seigneur vous accompagne.